Salam alaikum, bienvenue sur les recettes de Scheherazade. Aujourd'hui, je vous propose une recette d'asperges sauvages. Une petite poêlée d'asperges sauvages. J'ai du mal à dire le mot asperge. Donc, je vous invite à découvrir la recette. J'espère qu'elle va vous plaire. Une recette facile à faire à la maison, avec les enfants ou avec la famille, comme vous voulez. J'espère que cette recette, elle va vous plaire. En tout cas, elle est facile, elle est simple et 100% réussite. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur ce que vous pensez de cette recette. J'espère que ça va vous plaire. Voilà, marhaba bikoum. À tout de suite. Allez, on y va. Alors, il y a d'ailleurs un petit morceau. دابا غادي نسكرهم في الماء هاد الدقيقة يا مصطفى احسن غيتي 15 دقيقة واحد 15 دقيقة اون فالي سكيور الو بدون 15 مينوت دابا غادي نقشرو ثلاثة تاع الطوماطيشات 3 طوماط اون فالي زيبوشي Mix au tomate un petit morceau. غادي نزيدو عليها ثلاثة تاع التومان وغادي نقصوهم وغادي نكوبيهم تو بوتي مرسو فوالا سكمت سكم سكم بالرقدوش بالشلحة سكم فوالا دونك لا إلا تران بويير يفو ليسي كومسا بوندون 10-15 مينوت جوسكا وي فوالا 10-15 مينوت غادي نحمو المقلة ديالنا نديرو شوية تاع الزيت ان تي بو دويل نديرو شوية زيت زيتون بشوية الزيت غادي نديرو شوية غادي نديرو هادوك الطوماطيش مع التومة نديرو شوية ملحة ان تي بو د سيل و نتحركو شوية هكداك واحد ثلاثة تاع دقيقة اون فوا ميلونجي اون فوا ليسي كوير بوندون 3 مينوت 3-4 مينوت Thank you.
d'abord tomates à la taille bas. نغسلها شويه باش ما تحرقش ندخلها طيب على خاطرها دابا غادي نديرو لي زاسبيرج سوفاج السكر ونحركو شويه Bon, on répartit bien les asperges dans tout le plat. Des rochers en fil là. Un peu de poivre, une cuillère à café de poivre. Voilà. Un peu de paprika. Pas beaucoup. Voilà. Et on mélange un petit peu. Je suis là. نرد عليها القفالة ونخليها طيب واحد 5 دقيقة هكذاك on laisse mijoter pendant 5 minutes. Alors on va regarder comment c'est. Ça fait trop bon. واحد الريحة alors là c'est bon. Là شنو غادي نديرو البيض. Alors, on a un bébé de l'Ubildi, c'est le bled. J'avais allé à mon beau-frère, il me l'a ramené du bled. Donc, on va mettre des œufs. Là, je vais les séparer parce que, au cas où, s'il y en a une qui n'est pas bonne. Alors, on va les mettre entières. Les œufs. Hop, le wahda. البلدي تاع البلاد ما شاء الله ندي ميرسي اسي كي لو غاميني شكرا بزاف بارك الله فيكم سورتو لي اسبرج سوفاج افيك دي زو de la campagne, c'est le meilleur. Hop. Après qu'il m'a envoyé un adapteur, bah, moi j'en ai mis 4. La boîte de l'eau comme ça, la cita qui m'a envoyé tout. Voilà. Je crois que j'en ai rajouté une, je vais me mettre au milieu. Allez, une zide wahda. Marcelha. Voilà. Voilà, Inch'Allah. Et voilà, on va les mettre ici au milieu. Voilà. La présentation. Hop.
Voilà. Et on va le recouvrir le couvercle. On va laisser pendant 1 à 2 minutes pour voilà, la cuisson est terminée. Mmh. Regardez-moi ça. Alors, on va éteindre et juste je vais mettre un tout petit peu de cumin. On dirait marcho haltec. Voilà. Et voilà. Maintenant, il faut juste passer à la dégustation. Voilà, une recette très très simple. Une recette de ma belle-mère. Et voilà. Donc, j'espère que cette recette va vous plaire. N'hésitez pas à laisser un commentaire et partager avec vos amis, la famille, avec tout le monde. Merci, voilà, barakallahu fikoum, et puis je vous dis à très bientôt pour une autre recette. Salam alaikum.